national, que nous aider l'élaboration politique en matière de jeunesse, de sport et de civisme. Il faut que le ministère là, il y a trois champs de compétences, jeunesse, sport et civisme. Ce qui est arrivé, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons jamais gagné en politique nationale qui définit comment accompagnement, encadrement de fait dans trois champs. Donc, le ministère a décidé depuis le 2 mai dernier, l'Algérie nous a lancé ce programme-là, il a décidé de rencontrer dans tout département jeunes avec l'autre catégorie de population pour joindre, disons, sur comment ils comprennent l'encadrement de la cabaye. Et que le ministère a fait un encadrement ça dans trois champs, jeunesse, sport et service. Ce que je comprends, c'est que nous avons plein de préoccupations, nous avons plein d'interrogations. Est-ce que vous avez le sentiment que l'atelier s'en va apporter tous? Bien, et nous-mêmes, nous avons des idées au niveau ministère. C'est professionnel, c'est technicien, nous apprenons dans l'école pour ça, nous apprenons. Nous avons des idées, mais nous ne pouvons pas arrêter sous l'idée, ça nous gagne seulement. C'est pour ça que nous descendons sur le terrain pour nous garder comment la population lui-même comprend l'action ministère. Est-ce que les gens que le ministère a organisé, est-ce que c'est comme ça qu'il supposé organiser? Les gens que la présente programmée, est-ce que c'est comme ça? Donc par rapport à ça, nous-mêmes, nous avons cherché information dans la main et la population sur le terrain pour nous capables de croiser, de garder par rapport à ça, nous-mêmes, nous avons comme l'idée pour nous voir comment nous sommes améliorer l'offre de service que le ministère a lui-même là-bas et au niveau département. Alors c'est justement ça qui motive le choix, le thème que nous choisissons, qui ligne de guidage de notre atelier. Bien, et a réfléchi, nous obligé de réfléchir sur des bagages concrets. Nous ne sommes pas capables de philosopher. Là, et nous avons trois gros ateliers sectoriels, j'en ai dit, l'un dans la jeunesse, l'un dans le service, et réflexion a fait autour d'une série de problématiques qui sont spécifiques à chaque secteur. Par exemple, en jeunesse, on a posé problème jeunesse et éducation, on a posé problème jeunesse et santé, on a posé problème jeunesse et emploi. Oui, c'est des bagailles qui sont concrets concret côté jeune capable d'exprimer pour dire que, mais comment les mêmes niveaux de questions. Et une forme de toute question, ça va être traité seulement par le ministère de la jeunesse et des sports. La jeunesse, en tant qu'organisme, en tant qu'une catégorie sociale qui est transversale, donc ça veut dire que les toucher par toute réalité la vie. Hein. Et donc, il y a des problèmes que nous avons posés, par exemple, si on pose des problèmes d'éducation. Le ministère de la jeunesse et sport n'a pas de mission pour faire l'éducation dans le pays. Hein. Tout au moins, éducation formelle. Eh bien, le ministère de la jeunesse et sport, pour le côté réflexion, ça va bah, le ministère de l'éducation nationale qui est responsable de ça. Et la jeunesse et sport pour veiller pour voir comment l'éducation peut appliquer par ça. C'est même genre pour santé, c'est même genre tout, pour des autres problématiques que y a traité en dedans à faire. Et comment parlement a bien pour ouvrir document ça? Bien, et document ça, il faut me dire nous que le processus ça, c'est un processus qui n'est pas exercice ça seulement là-dedans. Après, nous finissons ramasser l'idée souterrain, pour nous faire chita avec des professionnels, des techniciens, à travers des ateliers thématiques. Là, on a fait des ateliers territoriaux, nous avons des ateliers thématiques pour nous faire et pour nous prendre l'idée professionnelle et technicienne. Non, tout le ça pour nous embrasser, pour nous sortir avec l'idée sous question hein, qui prend les documents politiques. Là. Les documents politiques seront présentés au niveau national et au niveau des institutions, notamment la Chambre qui prend capable de valider les documents ça, pour permettre que désormais, l'Europe parle de jeunesse et que. Quel que soit titulaire ou ministre qui vient dans le ministère, ça, il gagne plus ou moins une ligne qui définit par l'ensemble de la population, par l'ensemble de monde qui vivent en dans la communauté. Donc finalement, document, pas document, ni ministre là, ni pas document, ni directeur général là, ni personne. Il c'est document population et c'est l'ensemble ça. Ça qui va être importance à un document comme ça, qui pourra permettre que, quel que soit le monde qui vient, il
est obligé de marcher, en tout cas tenir compte de ce qu'il dit là pour avancer en dans l'action qu'il a fait. Et puis l'autre ministre est arrivé, bon, au lieu que vous faites suivi, c'est combattre. Ça veut dire nous toujours. On va recommencer et nous ne allons jamais arriver à une politique publique de jeunesse. Et aujourd'hui, nous invitons les jeunes qui sont dans toute commune, dans le quartier sexuelle éducation, pour venir réfléchir sur la politique nationale de jeunesse, de sport et de civisme. Nous croyons que ce qui est important pour nous, c'est l'idée que nous avons collectée, suggestions, nous avons fait propositions. Nous avons tout fait, disons, pour que ça parce que. La réalité qui vient dans le nord, ce n'est pas la réalité qui vient dans le sud. La réalité qui vient dans le sud, ce n'est pas la réalité qui vient dans la Tibonite. Donc il faut que chaque groupe de Gounzaro vienne, nous parle, nous tende. Donc c'est ça, la démocratie participative. Alors, c'est pas question de faire une politique et puis acteurs qui concernent, eh bien, on ne va jamais dire rien. Et puis, bien souvent, c'est comme ça. Ils font un rad là, ils mettent les sous, et sans que on va jamais prendre mesure. Et puis là, vient pas bon. Donc, est-ce que la population a tenu un suivi? Bon, de toute façon, nous-mêmes, il faut bien suivre parce qu'à partir du moment où l'idée s'est collectée, il y a inséré notre document final quand on te dit matin. Et puis, après atelier, on a sorti avec un point commun. Non, après atelier, on a vu une plénière. Après plénière, là, il y a eu ça a couché dans l'atelier. Et après, ils étaient dans le document et puis à la voiture.